égalise le roux. À chaque fois qu'on fait une vidéo, la machine se met en route. Je ne comprends pas pourquoi. C'est bon, on va en profiter. Allez, dépêche-toi. On n'est plus à s'après. Ça, ça va nous dire. C'est où s'après? Ok. Point. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous répondons à vos questions de la foire aux questions. Ça fait beaucoup de questions. C'est comme ça. Donc on commence par Axel Plantec. Est-ce que vous avez... Non, c'est pas drôle. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que Plantec, moi, ça me fait penser à plantation, après tech et protec et tout ça. Truc de malade. Non, mais non. Vas-y, question. Est-ce que vous allez au centre du cheval cette année? PS, vous êtes les meilleurs. Oui, on va. Bah... Oui, vraiment du mal aujourd'hui. Oui. Oui, nous allons venir au salon du cheval cette année. Mais on sait pas quand, on sait pas quelle date, parce qu'on sait pas les dates. C'est flou. À Paris. À Paris, ouais, parce que tout le monde. Certainement, peut-être le dernier week-end, je pense qu'on va toujours faire comme ça. De Marion Loli, avez-vous déjà eu des périodes où vous aviez peur de monter à cheval? Bah, moi, c'est tous les jours. Non, mais c'est pas grave, hein. Oui. Moi, non. Si, quand j'étais débutante, un peu, j'avais peur de savoir qui je montais. Et du coup, quand j'avais un que j'aimais pas, j'avais peur de monter. Moi, j'ai toujours peur. C'est pas grave. Question de petit X, grand X, petit X, Horslove, petit X, grand X, petit X. Wendy, est-ce que tu as un jeu qui se nomme Movie Star Planet? Sinon, il y a plein de joueurs qui se font passer pour toi. Non, j'ai pas ça. On a juste les trucs qui sont dans la barre d'infos en dessous de nous, en fait, en dessous de la vidéo. Sinon, on n'a rien d'autre. Il y a quelqu'un qui fait la vidéo. Oui. Quatrième question, de Sonia Pilou. Pour Wendy, est-ce que tu es déjà tombée avec Hidalgo? Non. Sonia, as-tu déjà galopé et monté avec la selle d'Hidalgo? Ouais. C'est une expérience assez dure. Non, la selle d'Hidalgo est, comment dire... Elle est mixte, mais à tendance dressage. Alors, voilà. Mais elle a un fort... c'est vraiment... Voilà, elle a une courbure un peu prononcée. Comme Hidalgo, c'est spécial. Tout ce qui appartient à Hidalgo est spécial. Même toi. Je lui appartiens pas. Si. Pauvre Manon, elle attend derrière. Ça va? T'es sûre? Si tu veux, tu peux venir sur le côté. Hein. Non. Si ça te dérange, tu veux faire autre chose, tu t'inquiètes. Tu veux de l'eau, tu veux manger? J'ai rien à manger. Yes! Allez-y! Enjoy life. Pourriez-vous faire une vidéo sur comment préparer son cheval avant la course, s'il vous plaît? Oui, c'est en train de mois d'août. Tu vas le faire, hein. Parce que depuis le temps qu'on le dit qu'on le fait, mais qu'on le fait pas. Ouais. On le fera au mois d'août parce qu'il n'y a plus de cours. Du coup, il n'y aura plus de gens dans les écuries. Oui, ce sera plus simple. Ouais. MRC du cheval nous demande, vous montez combien de fois par semaine? En cours. En cours, moins deux fois et sur une fois. Mais sinon, en pas cours, ça dépend. Je monte deux à une fois ou tout. Je sais pas, ça doit. Question de Augusta Lolilol. Lolilol. Comment fais-tu pour trouver beaucoup de temps pour faire du cheval et t'occuper d'Hidalgo pendant tes études? Ben, j'y vais quand j'ai pas cours. Enfin, je veux dire, même si je finis à 18h, ben, j'y vais après 18h, puis je fais mes devoirs souvent la nuit. Vers la nuit, je me réveille et puis je fais mes devoirs. Non, je déconne. Bah non, je m'organise. Après, quand on fait des études, on trouve un peu du temps quand même. C'est plus après quand t'as un boulot que c'est. Mais quand tu regardes, toi, tu coupes aussi ta vie sociale, on va dire. Parce ouais. Que tu coupes parce qu'elle trouve son temps. C'est bien. Voilà. Parce qu'elle coupe son temps sur son temps libre, donc du coup. Kata et moi nous demandent, Sonia, pourquoi une banane est jaune? Je pense que c'est parce que la pigmentation du soleil joue un rôle sur la peau de la banane. Et en fait, ça doit forcément avoir un rapport. Ouais. Ou alors, si on pourrait se demander pourquoi... Sonia est une banane. Pourquoi le kiwi à l'intérieur est vert? Je te pose la question. Manon Lacote, votre chanson du moment. Celle de Simple Plan... This song saved my life.
Enfin, elle date, mais je l'écoute souvent en ce moment. Du coup, voilà, c'est ma chanson du moment, écoute. Ouais, je vais dire ça parce qu'en ce moment, je suis triste. Enfin, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai le moral triste, alors du coup, j'écoute Don't Cry de Guns N' Roses. Voilà. Votre youtubeur préféré? Moi, c'est de loin, c'est Thatcher Joe. Joe seul. Et juste, mais il est à mourir de rire. Moi, je sais pas, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré, j'aime bien le Good Game. J'adore regarder leurs vidéos, genre toute la soirée. Ouais. Et après, en deuxième, moi, c'est Squeezie. Si, c'est même obligé. Ensuite, Elsa Passion 67. Comptez-vous acheter une GoPro pour filmer, pour pouvoir filmer de meilleures séances? Eh bien, plus tard. Si on a l'argent, parce que c'est... Voilà. Okay. Je pense que ça va se faire. Mmh. On va partager moite-moite. Et puis, on va viser. Ouais, pratique. Oh non! Ça revient. Ça s'en va, ça revient. Comme une chanson populaire. Mimi la bille. Sonia a déjà monté Hidalgo en saut? Point d'interrogation. Ouais. Mais au tout début, et genre c'était 40 cm. Putain. Ouais, mais il était déjà bien. vous allez garder Hidalgo en DP encore combien de temps? En fait, la demi-pension devait s'arrêter fin juin, quand la propriétaire revenait, mais elle m'a demandé de continuer, alors du coup, bah, je continue jusqu'à temps que je puisse en fait. Jusqu'à temps qu'elle écoute. Jusqu'à temps que je vis sous un pain. Voilà. Toutes les cavalières ont déjà mangé une friandise équine, mais quelle est celle que vous trouvez la meilleure? Ah bah c'est liquide. Ouais, liquide ou fruit des bois? Ah non, liquide. Ouais, liquide, c'est vrai, c'est plus sucré. C'est étrange. En gros, ouais, c'est trop bon, du liquide. Univers joli, vous vous disputez souvent? Non, franchement, on se dispute pas souvent. Christophe, t'as un problème, moi aussi? Voilà. Non, nos disputes, ça doit être... Pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas. Voilà. Une demi-seconde. Non, mais franchement, on se dispute. Enfin, on s'est jamais vraiment disputé. Non. Amélie Hoffman. Êtes-vous en couple? Au passage, vous êtes parfaite. Oui, en fait, il va falloir qu'on dise quelque chose. Donc, Wendy et moi, ça va faire déjà... Non, arrête, il faut y croire. Non. Non, on n'est pas en couple, non. Non, on n'est pas en couple. Marine 22, comment avez-vous rencontré Émilie? Eh ben, on sait pas. On l'a rencontrée au cheval? Ouais. Qui, bah, elle était gentille. Ouais, mais on la connaît depuis bah, bien 8 ans. Enfin, depuis le début, quand elle montait cavalier et tout, on la connaissait déjà. Bah ouais. Mais on lui a parlé depuis... Bien, depuis un an. Un an, ouais. Sonia, est-ce que tu étais contente de partir aux îles Canaries? Oh là 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 là. C'était un truc de malade. Je crois que j'ai jamais vécu une aventure aussi intense que ça. On dirait qu'elle avait Koh-Lanta. Bah franchement, des fois ouais. Mais non, c'était vraiment... C'était quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie. C'était trop cool. J'embrasse les gens de Tenerife. Wendy, vois-tu toujours Isis? Bah oui, je vais la voir en voiture. Lovely Horse, ça fait quoi d'être les numéros 1 des youtubeuses d'équitation? Non, on est celles qui ont le plus d'abonnés, je crois, mais on n'est pas les numéros 1. Enfin, en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on prend ça comme ouais. Ça vient en fait. Ouais. Des fois, on vient nous voir, on fait putain, vous avez ça? Ah ouais, c'est vrai. Des fois, on fait ah ouais, c'est vrai. De dingue. Wendy, peux-tu me donner des idées d'exercices à faire avec sa DP en période de canicule? Moi, ce que je fais avec Hidalgo, c'est que je fais une détente tranquillement. Après, j'essaye beaucoup de faire du travail au poids, genre l'incurvation. Après, je fais des sessions, des épaules en dedans, des changements d'incurvation parce que Hidalgo a beaucoup de mal. Et après, ouais, je sais pas, tu fais des tout petits trucs au trot et puis après, c'est bien d'aller faire une petite balade au frais pour finir et puis voilà. Ensuite, Sonia, comptes-tu prendre une DP toi aussi? Je pourrais, mais c'est juste que j'ai peur de pas avoir le temps. Le temps. Et la possibilité de venir. Voilà.
Parce que... Je réponds à sa place, je suis désolée. Non mais si, non mais c'est ça. Parce qu'en fait, je pourrais, mais je pense que j'aurais pas... j'aurais rien pour venir en fait. Et donc du coup, ça c'est embêtant. J'aimerais bien pouvoir avoir mon permis, ma voiture et genre me dire, oh, bah oui, genre à 8h du matin, je vais pas réveiller mes parents pour venir voir mon cheval quoi. Enfin, je vais pas encore attendre. C'est bien, tu es responsable. Tu vas pas prendre un cheval comme ça, hein. On réfléchit. Cécile Sala, le pays ou la ville que vous aimeriez visiter ensemble pour passer un séjour? Australie. J'allais te le dire. Oh non, pas encore. Non, ouais, l'Australie, ouais, c'est... Bon, après, il y a beaucoup... Après, plus les pays à côté de nous... La Grèce. Ouais, la Grèce. Ma soeur, il y a été, c'était... Oh, arrête, j'aurais voulu. La Grèce, après... Bah, l'Irlande, ouais, tout, bien, tout ce qui se visite. Ouais, c'est bien. Les peuples incas. Je nous verrai bien. Ouais. Au passage, merci de me redonner le sourire. Yaya Ragging. Ça se prononce pas comme ça. Ah si, Yaya Riding. Yaya Riding. Avez-vous des projets avec Hidalgo? Ben, que je continue ma DP, c'est tout. Depuis combien d'années montez-vous? Ça va faire 9 ans. En fait, je crois que ça fait un an qu'on dit ça va faire 9 ans, mais ça va, si, ça va faire 9 ans. Bon, 9 ans. Bah non, attends, j'ai 19 ans, j'ai commencé à 10 ans. Si, 9 ans. Depuis... non. Avez-vous commencé ensemble? Non. Non, mais... En même temps, mais pas ensemble dans le cours. Viens. Voilà. Quelle est la caractéristique d'Hidalgo? Il va très très vite. Très très vite, très très rapide, il y a tout qui va vite avec. Et je le trouve qu'il est très... Genre, si je suis comme ça, je serre mes doigts à droite, il va tourner à droite. Si je serre mes doigts à gauche, il va tourner à gauche. Il est sensible. Ouais, il est sensible. Et du coup, voilà. Après, il est très gentil, il est câlin, il est très aimable, il reste pas du tout. Il est pas lunatique, mais il est... Ouais, genre s'il est pas bien, il va te le montrer et ouais. Genre m'embête pas quoi. Ouais, voilà. Et tu le sens. Ouais. Et tu le sais. Ah oui, t'as raison, il y en a rien. Bah oui, t'as vu. Quel est son petit plus? Je dirais qu'il est très respectueux du cavalier. Genre il a jamais essayé de me mettre par terre, même s'il va très vite. Ah ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Body jump. Si un jour vous vous disputiez au point de ne plus vous parler, continueriez-vous votre chaîne? Je sais pas, il y a jamais commencé. Non. Et je pense pas qu'on puisse parler. Super. Faut être mature quand même. Ouais. Ouais. Faut être ensemble dans la vie. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense que si on se parle plus, maintenant, là, il y aura une chaîne. Ah oui, voilà. Désolé. Mais on se parlera plus. Mais pas mature, hein. Il y aura un temps qui va se passer. Tout le monde aime le rendez-vous sur le temps. Parce ouais, tout le monde. On prendrait un petit adopté. Ouais, on présente toi nos enfants. Nos enfants adoptés. Nos chevaux adoptés. Ouais, Epic Life nous demande, aimez-vous les Simpsons? Ouais. Ouais, c'est gentil. Oh, c'est gentil. C'est gentil, oui. Oh, non, mais ça passe, mais pas tout le temps. Quoi. Ouais, parce qu'en plus, on les a déjà tous vus. Ouais. Question de Clarisse Eugène. Pourriez-vous faire des vidéos avec Chloé, Mika et compagnie? Je pense pas qu'on a la même. Non. La même visée de vidéo et les mêmes. Ouais. Je pense. Enfin, je pense pas qu'on s'entendrait pour faire des vidéos en fait. Il y a rien de méchant. Non, non, pas du tout.